Bonjour Pierre. Bonjour. Comment vas-tu? Pas mal, on a une semaine de la coterie, donc malgré une petite grippe, ça va pas mal. Les premiers essais sont bien déroulés ce matin. Donc voilà, on a pris un peu nos marques dans la voiture et pourvu que ça dure. Tu as plutôt bien marché, oui? Ouais, ça se passe vraiment bien. Je me sens vraiment à l'aise dans la voiture. Pour une reprise, c'est plus que content, vraiment. Je me sens très très à l'aise dans l'auto. Donc hâte d'être à la coterie maintenant. Ce sera ta troisième participation à la côte. Quel sera ton objectif là-bas? Oui, ce sera ma troisième. Bah, forcément, l'objectif, c'est essayer de remonter sur le podium au scratch, de se battre pour le R5. Parce que voilà, avec Stéphane Pusténic, Eric Moffret qui descend, aussi notre ami de Tours, Morin. Donc voilà, il va y avoir un beau petit plateau en R5. Bon, Eric sera un peu seul. En WRC, mais bon, j'ai fait 3e en 2014, 2e en 2015, donc j'ai envie de dire, si on veut faire la boucle, il faudrait essayer de gagner, mais ça va être compliqué. À bientôt une semaine du départ, aurais-tu un petit mot à adresser à Xavier Lemonnier et Stéphane Pusténic? Ah bah ouais, j'en ai plein de mots, mais on s'échange pas mal. Stéphane, voilà, hein, Stéphane, au cumul, j'ai une 37 d'avance, sur le cumul des deux Côtes Fleuries et de La Rochelle, donc du coup, ben, pour qu'il me batte, il faut qu'il gagne avec une 37 d'avance sur moi. Et puis Xavier, ben, j'espère qu'il va pouvoir faire un bon rallye avec sa Mitsu, que le profil va pouvoir un petit peu correspondre à la Mitsu, un peu avec des allonges, souvent le cas à la Côte Fleurie, donc pour qu'il puisse être un petit peu dans le match avec nous et qu'on puisse passer un bon moment. Et ensuite, tu enchaîneras avec le Touquet Lyon-Charbonnière. Oui, voilà, ouais, Touquet Lyon-Charbonnière. Enfin, le Touquet, j'ai déjà participé l'année dernière, mais dans des conditions, on m'a dit jamais vu au Touquet, donc 100% sec. Alors bah, cette année, je m'attends à forcément un Touquet différent. Un vrai Touquet, comme on dit. Il y a des vrais Côtes Fleuries. Ça, j'ai connu que des vrais Côtes Fleuries. Et voilà, donc j'attends un vrai Touquet avec un peu de terre. Mais bon, je pense qu'ici, quand on voit l'état des voitures, on s'y prépare bien. D'accord, Pierre. En tout cas, je te remercie beaucoup. Merci. Et puis, je te souhaite bonne chance pour la côte. Merci, à bientôt.